Nous nous sommes déplacés au magasin Normandie, tout près de Port-en-Bessin, un magasin spécialisé en articles de pêche sous-marine et de plongée bouteille. Alors merci, bonjour Geoffrey, Bonjour le Eric. gérant du magasin et qui est lui-même pratiquant de pêche sous-marine. Donc Geoffrey, voilà, je me mets en situation, je suis un tout débutant, je n'ai jamais été en mer, j'aspire en fait à pratiquer la pêche sous-marine. Alors j'aimerais, voilà, si tu pouvais me présenter le matériel, ce qu'il faut pour être à la fois en confort et en sécurité, en sachant, voilà, je suis pas un professionnel. Hein. OK. Alors donc, on peut distinguer trois types d'équipements. L'équipement qui permet de pratiquer dans le milieu, donc avec tout ce qui est les équipements de protection. Ensuite, les équipements de sécurité. Ça, c'est ce qui permet d'être protégé et en cadre avec la loi. Et tout ce qui permet de pratiquer la prédation, la chasse sous-marine, c'est-à-dire prélever le poisson et tout ce qui peut y avoir. Très très bien. Donc on va se déplacer dans ton magasin et puis tu vas nous présenter tous ces articles-là, les uns après les On va autres, aller voir pour nous ça. dire voilà Ouais. pourquoi ceci, pourquoi cela. Très Ok. bien. Eh bien allons-y. Pour la pratique de la chasse sous-marine et enfin de la pêche sous-marine dans nos eaux, donc c'est-à-dire Normandie, Bretagne, l'eau est assez fraîche, voire même des fois froide. Donc il faut un vêtement de protection isothermique. Donc c'est une combinaison qui se présente sous cette forme. Donc il va falloir se protéger les mains, le corps et les pieds. Ça c'est contre le froid. Donc une combinaison c'est du néoprène de différentes épaisseurs. Pour la pratique de la pêche sous-marine, c'est donc un néoprène refendu qui colle à la peau et qui est souple, contrairement aux combinaisons de plongée bouteille qui sont doublées intérieur et extérieur. L'avantage du néoprène lisse, ça colle bien à la peau, c'est plus souple et donc c'est plus chaud. Les combinaisons sont toutes composées de deux pièces, un pantalon à bretelles ou pantalon haut et une veste, ce qui permet d'avoir de la mobilité entre le bas et le haut. Ce qui permet aussi de moduler l'épaisseur entre le haut et le bas. Par chez nous, le classique, c'est une veste en 7 mm, ce qui permet de s'adapter à toutes les températures d'eau entre 10 et 18 degrés. Le pantalon, par contre, on peut descendre un peu en température, en épaisseur, et partir sur un pantalon en 5 mm, qui permet d'avoir un peu plus de souplesse. En plus de la combinaison, il faudra se couvrir les pieds avec des chaussettes en néoprène, là aussi de différentes épaisseurs selon la température de l'eau, et qui permet aussi de protéger le pied à l'intérieur des palmes. Pour les mains, double rôle des gants. Les gants permettent à la fois de se protéger les mains quand on vient attraper le fond, se tenir ou attraper des crustacés ou les animaux, et en même temps se protéger du froid. Donc on peut venir aussi travailler sur différentes épaisseurs de gants selon la période dans laquelle on pratique. Avec tout ça, donc le néoprène, c'est une mousse contenant plein de petites bulles d'air, donc on flotte. Pour compenser cette flottabilité, il faut mettre une ceinture de plomb. Il faut avoir une ceinture marseillaise. Donc une ceinture marseillaise, elle s'appelle comme ça à cause de cette boucle qui permet de la larguer rapidement. Elle peut être de couleur vive ou de couleur noire selon la discrétion que vous recherchez. Si jamais vous choisissez la solution d'une ceinture noire, il peut être utile d'y mettre un plomb visible de couleur afin de pouvoir être visible de la surface par votre binôme en cas de besoin. Vis-à-vis du type de plomb utilisé, vous pouvez utiliser des plombs en 1 kg, 2 kg que vous adapterez selon votre espace d'évolution et de votre matériel. Le trio de base pour la pratique de la pêche sous-marine, aussi bien en piscine qu'en mer, c'est palme, masque, tuba. Ça permet de respirer, voir et se déplacer. Concernant les palmes, pour commencer pour le PSM1, une paire de palmes courtes en plastique convient très bien. Le budget est tout à fait raisonnable et ça permet de débuter aussi bien en piscine qu'en mer pour commencer à acquérir les basiques du palmage. Au niveau du tuba, ce qu'il faut, c'est un tuba de gros diamètre, spécifique pour la pêche sous-marine, donc sans soupape, de façon à ne pas faire de bulles et que l'eau ne rentre pas. Là, la plupart des tubas font le même diamètre, donc vous choisissez en termes de couleur ou de forme. Un autre point très important, c'est le masque. Donc, le masque pour la pratique de la pêche sous-marine, c'est un masque avec un petit volume. Ça va de tous les budgets. Il faut compter environ une cinquantaine d'euros. Le principal, c'est surtout de l'essayer.
Un masque se choisit en magasin en l'essayant sur le visage de façon à qu'il vous convienne. Concernant les masques, il existe la possibilité de monter des verres correcteurs pour tous ceux qui ont des problèmes de vue, aussi bien vision de loin que vision de près. Donc ce sont des verres qu'on vient démonter et remplacer sur le masque, ce qui permet de s'adapter à toutes les corrections. Par contre, le nombre de choix de masques est plus réduit et il me faudra votre correction pour pouvoir l'adapter à votre vue. Dans les éléments de sécurité obligatoires par la loi et aussi indispensables pour la sécurité, il y a la bouée. La bouée permet à la fois de se signaler en surface, elle permet aussi de stocker du matériel dessus, elle permet de se reposer dessus en cas de fatigue, donc elle a plusieurs rôles. Elle est obligatoirement fournie avec un pavillon de plongée qui permet de signaler la personne qui est en dessous. Donc cette bouée vous suit tout au long de votre pratique dans les différents endroits. Vous pouvez l'accrocher à un grappin via un enrouleur. Donc ça permet toujours d'avoir la bonne longueur de câble pour que la bouée reste à proximité de votre zone d'évolution. Le couteau est un élément indispensable de sécurité. Il sert avant tout à se libérer en cas d'accroche sur un fil. Au fond, on utilise du fil, le fil de la flèche, le fil du moulinet, le fil de la bouée. Ça, c'est nos fils à nous. Et après, il y a plein d'autres fils, filins, filets qui traînent au fond. Filets de pêche, bouée, casier, tout ça. Donc, on n'est pas toujours vigilant à 100%. Donc, si jamais on se coince dans ce type de filet, il faut pouvoir s'en libérer très rapidement. Donc, le couteau doit être accessible puisqu'il ne sert qu'à ça. Donc, le triangle de sécurité, c'est la zone qui est la plus accessible par les mains dans l'eau. Donc c'est un triangle qui est composé de la tête pour la pointe et le bas du corps pour la base. Donc le couteau à la cheville, à l'ancienne, c'est pas le meilleur système. Il est à l'endroit le plus loin du corps, il faut devoir se baisser pour l'attraper. Et en plus, il y a de fortes chances que ce soit lui qui se coince en premier dans un filin. Donc le couteau peut être à la ceinture, sur le bras. Il existe des systèmes prévus pour éviter que le couteau pivote. Il peut être sur le baudrier, il peut être sur l'avant-bras. Il peut être à plein d'endroits qui sont aussi bien accessibles, peu importe la situation. Le système de rétention du couteau dans son étui est aussi très important, de façon à qu'il puisse être accessible facilement d'une main, et en même temps qu'il maintienne fermement le couteau dans son étui. Celui-ci, par exemple, a un système de double sécurité. Dès qu'on vient attraper le manche et serrer, il s'enlève facilement. Ses dimensions compactes font qu'il est pratique à mettre sur le bras ou à la ceinture. Pour ramener vos prises et stocker vos prises sous l'eau, il va vous falloir un filet qui vous permet facilement d'une main de venir y mettre ce que vous avez prélevé, coquille Saint-Jacques, araignée, crustacé. Donc par rapport au système conventionnel, celui-ci reste ouvert facilement, donc on peut y glisser d'une seule main ce que vous avez prélevé.